D'après sa structure, cet endroit est une forteresse. Il y a des traces de combats un peu partout. Qui était l'ennemi des anciens? Des créatures? Non, c'était de vulgaires humains. Ils craignaient le pouvoir des anciens. Ils en étaient envieux. C'est pourquoi ils les ont massacrés. Sephiroth. Zeke! Il ne faut pas avoir peur. Bientôt, il va retourner à la planète. Ce n'est jamais qu'un au revoir. Tu vas bien? Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour moi. Dis-moi. Je veux savoir. Ce temple, est-ce que c'est la terre promise? Non. Du moins, je ne pense pas. Je vois. Je m'en doutais. Tu me crois, comme d'habitude. De temps en temps, tu étais même gentil. Ce piédestal est une clé. Mais seuls les anciens peuvent l'utiliser. N'essaie pas de bouger. Je dois faire mon rapport. Iris, regarde ça. Ça dit quoi ? Ô brave guerrier, désormais serein, prenez le temps de regarder en vous. Les longs sillons écarlates que vous avez tracés sauront bientôt nourrir vos âmes. N'oubliez jamais la colère qui vous a fidèlement accompagné. Faut qu'on passe par ces portes, c'est ça? Oui. Chacun de nous doit passer une épreuve. Oh. Sauf Cloud. Il a l'air exempté. Quoi? C'est pas juste! Je vais vous attendre ici. Faites vite. S'il faut vraiment qu'on y aille, perdons pas de temps. Ok. Sur ce, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ?
ce n'est pas une simple illusion. Par ici ! Prends ça ! Cloud ? Oh non !
J'en ai assez. Sephiroth. Les soldats. Le réacteur. La Shinra. Et tout le reste. Je les déteste tous! Ses griffes pour survivre. Son nom. Jeff, sois vraiment discrète cette fois. Évitons les combats quand on peut. Jeff, t'as fait tout ce que t'avais à faire? On sait pas quand on pourra revenir. Que tu n'es pas venu le chercher. Je me suis amusé avec lui. Ça va? Passe une bonne soirée, Barrett. Tout se passe bien au réacteur. Ce réacteur Mako nous a vraiment facilité la vie. Je parie que t'as hâte de prendre une Myrna t'attend. Oh,
Te voilà enfin. T'en fais une tranche. Qu'est-ce qui t'arrive? Myrna! Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Allez, tu dois être fatiguée. Entre. Ouais. À l'aventure. On va faire quoi? On va sortir d'ici. Et puis, on va s'en aller respirer de l'air frais. Si tu respires l'air de dehors, ça va t'aider à aller mieux. T'auras plus de piqûres. Je devrais aller beaucoup mieux. Génial! Thank you.
Ça va pas mieux. T'as mal? Désolée. L'aventure doit s'arrêter là. Maman, attends-moi là. Je vais chercher un docteur. Qui est là? Tu peux le faire. Désolé, je peux pas t'aider. Ma mère est malade. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma mère est malade. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Hein? Est-ce que ça va? Ça va. Vous savez où trouver un docteur? Désolée, mais je ne suis pas du coin. Je ne sais pas où il y en a dans ce quartier. Bon, d'accord. Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Ça va aller, merci. Au revoir. Ma mère m'attend. Je dois y aller. Tu es sûre?
Oh, maman. Désolée. Je vais partir, mais je serai toujours avec toi. Maman, t'en veux pas. T'as pas le droit. Oh. On doit faire l'aventure ensemble. Madame, je peux vous aider ? S'il vous plaît. Emmenez Aerys dans un lieu sûr. Oh. Allons-nous-en d'ici. Maman. J'ai un mauvais pressentiment. Je l'ai trouvée. Elle est là. Maman. Vous savez, la mort, en fin de compte, c'est un aspect de la vie. Même si nos corps finissent par disparaître, nos âmes continuent d'exister. Elles retournent à la planète, dans la rivière de la vie, et donnent naissance à de nouvelles vies. On est au courant, tu sais.
Même si l'âme ne disparaît pas, malgré tout, perdre quelqu'un qui nous est cher, ça reste triste. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce serait manquer de compassion. Tous les malheurs qu'on a vécus, les injustices qu'on a subies, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait, c'est inscrit dans notre passé, à tout jamais. En revanche, le futur, quant à lui, peut être changé. La tristesse et la colère, ces sentiments nous rendent plus forts. Seulement, ils nous changent aussi profondément. Pour moi, la vraie force, ce n'est pas du tout ça. À mon avis, c'est quelque chose qui est en nous. Quelque chose de doux et d'incassable. J'en suis persuadée. Ne pensons pas au passé, mais plutôt à l'avenir. Soyons unis. Ça nous rendra plus forts que Sephiroth. Beaucoup plus forts. C'est bon, t'as fini de parler ? On n'a pas le temps. Allons-y. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien. Tu t'es bien amusé, Cloud. Mais après ça, souviens-toi. Cette bombe que tu as posée, tant d'âmes ont péri. Biggs. Ces émotions sont-elles vraiment les tiennes ? Cesse de feindre la tristesse, Cloud. Elle était devenue une amie précieuse. Mais toi, tu ne ressens rien.
Pourquoi, à ton avis? Zephyros. La tristesse. La colère. La culpabilité. Le regret. Ces sentiments te sont totalement étrangers. Après tout, tu es mon pantin vide d'émotions. Zephyros!
À toi de jouer. Ouais, laisse-moi faire. Je sais que ça te dérange. Un retour, c'est ça? Un petit tour. Le dernier. Tu peux t'en charger? Ça me va. Pas de ça avec moi. Sur toi. Ouais. Ça va de ton côté. Et voilà. Dégage de là. Fais ça. Et le dernier. Mon grand-père voit ça. L'air d'harmonie des cétras.
est malheureusement sur le point de s'achever à jamais. Très bientôt, nous serons sans doute contraints de céder la planète à des êtres qui dévèlent son histoire. De la soigner, succombèrent à la calamité. Elle pouvait prendre l'apparence des défunts, de nos pères et mères, de nos frères et sœurs. Elle planta ses insidieuses graines dans notre peuple et chez les humains. Nous nous battîmes pour défendre la planète. Et retournèrent dans son sein. Mais la calamité ne s'y rendit pas. Elle ne put se fondre à la planète. Alors elle se dissimula. Plus tard, on donna un nom à la calamité. Elle fut nommée Genova. Prenez garde à son retour, à sa renaissance. La réunion. Les graines de la calamité finiront par germer, et elles s'efforceront de fusionner. Avec moi.
Yeah!